Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Nouvelle comparution de Steve Amoussou ce lundi 18 novembre 2024. Les avocats de la défense ont demandé à la Cour de déclarer nulle la procédure de présentation et de libérer le client. Mais de son côté, le ministère public qualifie cette requête d'opportuniste et nulle et demande à la Cour de la ranger car elle n'est pas saisie des conditions d'arrestation de Steve Amoussou. Dans ce journal, nous allons suivre les explications de Maître Barnabé Gbagbo. C'est l'un des avocats de Steve Amoussou. Nous parlerons également de la réunion préparatoire de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger qui s'est ouverte à Cotonou ce lundi. L'expertise technique du secrétariat exécutif de cette structure sous-régionale se penche sur un certain nombre de documents en vue de pondre à la fin des recommandations pour une gestion efficiente du bassin du Niger. Et pendant ce temps, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication reçoit à son cabinet le rapporteur général du Haut Conseil de la Communication de la République Centrafricaine. Au menu de leurs échanges, le partage d'expériences du Bénin dans le cadre des élections locales. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Actualité nationale oblige, c'est désormais officiel, le Bénin vient d'obtenir son billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Guépards du Bénin, freinés deux par deux fois sur le chemin de la qualification, se sont finalement qualifiés ce soir pour le rendez-vous du Maroc 2025. Face à la Libye, le Bénin n'avait besoin que d'un petit point pour se compter parmi les participants à la prochaine CAN. Et Guerre Aurore et ses hommes ont réussi à l'arracher face aux chevaliers de la Méditerranée au bout d'un match intense et à suspense jusqu'au bout du sifflet final. Score final 0, match nul partout, un match nul qui permet au Bénin de signer son retour à la Coupe d'Afrique des Nations après deux absences. Nous reviendrons plus amplement sur les détails de ce match dans nos prochaines éditions. Je l'annonce en titre, le procès de Steve Amoussou a repris ce lundi 18 novembre 2024. Au cours de cette nouvelle comparution, la défense de Steve Amoussou demande à la Cour de déclarer nulle la procédure de présentation et de libérer le client. Le ministère public qualifie pour sa part cette requête d'opportuniste et nulle et demande à la Cour de l'arranger car elle n'est pas saisie des conditions d'arrestation de Steve Amoussou. D'autant plus que, selon le ministère public, le sujet relatif aux conditions d'arrestation de Steve Amoussou a déjà été vidé. La Cour a délibéré et renvoyé le dossier au 9 décembre 2024. Nous vous proposons de suivre la réaction de Maître Barnabé Gbagbo. C'est l'un des avocats de Steve Amoussou. Alors, Maître, bonjour. Bonjour, Monsieur Amoussou. C'était prévu ce lundi le procès de Steve Amoussou au frère Rouvi. Dites-nous comment l'audience s'est déroulée ce matin. Bon, nous, on ne sait pas si Amoussou est frère Rouvi, hein, on ne sait pas encore, puisque jusque-là, on n'a même pas eu le temps d'aller au fond. Mm-hmm. Nous sommes arrêtés sur la procédure. Vous savez que la manière dont il a été appréhendé à Lomé, hein, c'est une manière criminelle. En tout cas, pour les Togolais ont pris ça comme un crime. Hein, donc, même si les Béninois essayent de ne pas considérer ça, mais les Togolais prennent ça très sérieusement. Pas conséquent, ici au Bénin, nous avions refusé d'aller au fond. Il y a de gros vices. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça et l'amener au Bénin. Et nous aussi, on reçoit et puis on dit, ouais, nous, ce qu'il compte, c'est qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ça. Et donc, ça a été renvoyé au neuf pour que le juge nous dise si, oui ou non, il est d'accord pour annuler la procédure. On a perdu sur l'unité de la procédure, hein, parce que d'abord, la Constitution est violée. Dans la Constitution, nous avons le droit d'aller et venir dans notre Constitution. Et également, le code de procédure pénale a été violé dans ses articles 21, 78 et autres. Hein, même la Cour africaine des droits de l'homme, la convention africaine des droits de l'homme et des peuples a été violée. Donc, il y a tellement de violations. Alors, souvent, c'est dans les cas de drogue qu'on voit ces genres de procédures. Mais nous, ici, c'est le contraire. Et M. Steve Amoussou, qui n'est peut-être pas frère Rouvi, on ne sait pas. Puisque là, on n'a pas pu démontrer que c'est le frère Rouvi. Oui. Steve Amoussou a d'abord contesté qu'il n'est pas frère Rouvi. Donc nous avons demandé à notre tribunal d'annuler cette procédure-là. Et qu'est-ce que le tribunal a dit? Il a mis ça en délibéré pour le 9 décembre. Mais nous irons encore plus loin. Nous allons servir la Cour constitutionnelle. On ne peut pas servir quelqu'un comme ça, dans cette condition, l'amener au Bénin. Nous avons fait. Alors, Steve Amoussou, comment se porte-t-il? Dans quel état, dame, vous l'avez vu ce matin? Quel est son moral?
Oh, vous savez, c'est un gars qui a un moral très haut, hein, vous savez, il manie très bien les verbes. Et comme nous le savons, nous l'avons appris, si c'est lui vraiment, frère ou vie, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le Steve Amoussou qu'on a vu aujourd'hui, était bien sûr de lui, était confiant. Le français, vous savez, que c'est quelqu'un qui aime bien la langue française. Il a pris ça, lui-même, il a pris sa défense. Après que les avocats eurent plaidé, il a pris aussi la parole pour décider qu'il a posé une question importante. À qui profite le crime, hein? Ce crime d'enlèvement à Lomé, à qui cela profite? C'est la question qu'il a posée. Alors, c'est à nous tous, au tribunal aussi, de répondre. À qui cela profite? Cela profite-t-il au peuple béninois? Le fait qu'on l'ait enlevé comme ça, qu'on l'ait amené pour le juger, ou autre. Voilà, c'est la question qu'il m'a posée. Du côté de Lomé, comment l'affaire évolue là-bas? Ah bien, l'affaire évolue très bien à Lomé. Vous savez que certains, les complices, justement, ont été pris à Lomé. Et on est en train de les juger. Il y a une procédure qui a nommé le juge d'instruction. Il y a une instruction qui est... Et donc, nous avons eu à lire les procès-verbaux. Et nous croyons que ce que le nommé dit n'est pas du tout la même chose. Il n'est pas en concordance avec ce que la créesse juge dit. Donc, nous attendons pour voir où est ainsi. Nous verrons bien comment ça va se terminer à Lomé. Et alors qu'on venait déjà, la criette a hâte de vite juger. On dirait que c'est une patate chose. D'accord. Donc si je vous résume, ce matin, le tribunal voulait juger l'affaire au fond. Et nous avons un peu tout ça. Nous avons soulevé les limites de procédure. Donc on doit amener la procédure parce que c'est une procédure qui est victime. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça et l'amener venir le juger au Bénin et s'assurer de qu'il est d'accord. C'est pas possible. Voilà un peu la substance du procès de ce matin. Merci, maître. Je vous en prie. Merci, monsieur Arnaud, et à bientôt. À bientôt, oui. Voilà, c'était à l'instant Maître Barnabé Gbagbo, il est l'un des avocats conseillers de Steve Amoussou. Et justement après sa nouvelle comparution aujourd'hui, ce lundi 18 novembre 2024, le tribunal, la Cour a renvoyé le dossier au 9 décembre 2024. Donc affaire à suivre. La réunion préparatoire de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger se tient depuis ce lundi à Cotonou. L'expertise technique du secrétariat exécutif de cette structure sous-régionale se penche sur un certain nombre de documents en vue de pondre à la fin des recommandations pour une gestion efficiente du bassin du Niger. Les travaux durent 3 jours. Du Niger. Cette rencontre est statutaire et prépare la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger que le Bénin se réjouit d'abriter. Les réflexions dès l'entame permettent de poser le diagnostic de cet héritage commun à plusieurs pays eu égard aux effets des changements climatiques et autres menaces environnementales. Notre bassin, mesdames et messieurs, est de plus en plus confronté à des défis majeurs liés à la démographie galopante, à la dégradation des écosystèmes, la pollution des ressources en eau, tant de surface que souterraine, les effets néfastes des changements climatiques dont les impacts se font sentir et menacent la vie des 100 millions d'habitants du bassin. Pour y faire face, mesdames et messieurs, nous devons innover, faire de la gestion intégrée des ressources en eau et de la résilience au changement climatique les socles de nos initiatives. C'est en clair, le comité technique des experts qui se réunit ici à Cotonou a l'effet de traduire en actes et sur documents la coopération régionale en vue d'un développement intégré et durable du bassin du Niger. Nous attendons de la présente rencontre des propositions et recommandations pertinentes permettant d'assurer un bon fonctionnement du secrétariat exécutif et la mise en œuvre des projets et programmes malgré les défis sécuritaires. Pour finir, j'en appelle à la solidarité, à l'engagement et surtout à l'esprit d'équipe. À la génération future, il faut laisser une autorité du bassin forte et bien gérée, ce qui implique une volonté individuelle et collective, mais surtout une contribution effective des États membres. Le développement de notre espace commun doit partir de nos États membres eux-mêmes avant de compter sur les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. En effet, on ne peut parler de développement du bassin du Niger et de son institution régionale que si nous mettons à disposition et à temps opportun les moyens financiers et humains nécessaires pour les grands travaux demandés au secrétariat.
Le retard répété dans l'acquittement des contributions des États membres au fonctionnement de notre institution commune est un facteur et un grand handicap pour l'institution. Du 18 au 20 novembre donc, il est attendu de l'expertise technique des recommandations pertinentes à même d'orienter les délibérations du Conseil des ministres. Nous allons à présent parler de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route jumelée avec la journée africaine de la sécurité routière. Le Bénin n'est pas resté en marge de l'événement. Le ministère du cadre de vie et des transports, à travers le Centre national de sécurité routière, a rendu un vibrant hommage aux personnes disparues dans des cas d'accidents de circulation. Se souvenir, soutenir et agir, c'est le thème de cette année. Partie du carrefour Pota à Calavi, la caravane échoue à l'annexe spéciale du Centre national de la sécurité routière. Place au récit suivi d'une pieuse pensée en mémoire des personnes blessées ou fauchées par la mort. Dans le déroulé des discours pleins d'émotions et de souvenirs inoubliables, les autorités ont passé en revue les statistiques enregistrées par le Bénin. Le groupement national de sapeurs-pompiers du Bénin a enregistré au cours de l'année précédente 6322 cas d'accidents de la voie publique et 332 décès. En cette journée de commémoration, renouvelons notre engagement à protéger la vie sur nos routes. Les comportements imprudents, l'absence du respect des règles de la circulation et la négligence des infrastructures de la sécurité sont entre autres causes de la hausse des cas d'accidents. Ces problématiques, selon le représentant du ministre du cadre de vie et des transports, sont en train de trouver leur solution afin de réduire considérablement l'incivisme sur les routes. Je voudrais au nom du ministre du cadre de vie reconnaître qu'au Bénin, la cérémonie qui se déroule se passe en ce moment où le gouvernement fait de la revue du cadre réglementaire et de l'amélioration de la mise aux normes du corpus juridique en cas de la sécurité routière une grande priorité. Je suis venu vous dire que seulement dans cette semaine, l'analyse a été très favorable au niveau de la cellule juridique d'analyse de la présidence. Handicap International au Bénin a voulu rester aux côtés donc, des personnes victimes d'accidents de la route en renforçant donc, le pilier 5 de la sécurité routière qui parle des soins post-accident. Et comme HACHI a un domaine historique qui est la réadaptation, nous avons voulu accompagner les personnes victimes d'accidents de la route jusqu'à dans leur réadaptation et dans leur réinsertion complète dans la société. Au terme des allocutions, une simulation d'un cas d'accident opéré par les éléments du groupement national, les sapeurs-pompiers, a été exposée aux participants. Et c'est là qu'ils sont en train de prendre le matériel adéquat. En cette commémoration de la Journée mondiale des souvenirs des victimes de la route, tous les acteurs en charge de la sécurité routière ont pris le ferme engagement d'œuvrer pour zéro accident en cette fin d'année. Cette opération de sensibilisation englobe tous les départements du pays. 50 nouveaux chefs d'entreprise à l'école d'éducation financière à Parako. À travers cette formation, ils rejoignent la première cohorte de 50 autres patrons d'entreprises ayant bénéficié de la même initiative. L'atelier est organisé par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Il s'agit pour les organisateurs de booster davantage les compétences et les rendements de ces chefs d'entreprise. Reportage. Ce sont 50 chefs d'entreprise des secteurs de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication, ou encore du secteur touristique, qui ont ainsi vu les capacités renforcées sur la notion d'éducation financière. Ils ont été formés 3 jours durant sur plusieurs volets par des experts en la matière. Nous avons, 3 jours durant, essayé de dénouer un savoir sur cet aspect de la gestion financière, la trésorerie, le budget, la fiscalité, la croissance et les indicateurs de performance. Pour ces 3 jours,
Nous avons rencontré un groupe de personnes engagées, décidées, motivées par le sujet. Nous avons entendu le même discours, on en veut encore. Nous avons posé cette condition en disant, vous en voulez, cela ne nous revient pas. Il vous revient d'appliquer ce que nous avons délivré comme connaissance. Cette deuxième cohorte de chefs d'entreprise vient s'ajouter à une première cohorte de 50 autres, formée du lundi 11 au mercredi 13 novembre 2024. L'initiative est portée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, une structure gouvernementale qui fait désormais office de guichet unique dans la promotion et le développement des PME au Bénin. C'est une étape. Nous avons une série de formations que nous offrons pour renforcer les capacités des dirigeants. Dans les prochaines semaines, il y a d'autres formations qui sont orientées auprès de d'autres cibles, de d'autres régions, parce que nous avons pour vocation de déployer l'ensemble des interventions de l'ADPME à travers tout le territoire. Donc je voudrais vous rassurer de ce que l'ADPME restera disponible pour faire le suivi de ces différentes formations que vous recevez, pour nous assurer vraiment que les effets, les impacts de ces formations vont pouvoir permettre, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, d'améliorer votre performance globale et par conséquent de créer encore plus de richesses et d'emplois pour accélérer la croissance économique de notre pays. Au sorti de cet atelier de formation, ces partenaires d'entreprise ont clairement franchi un cap. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur le budget prévisionnel, la fiscalité, comment différencier nos portefeuilles par rapport aux fonds de l'entreprise et aussi pourquoi payer l'impôt. Et l'importance aussi de contribuer à payer l'impôt. Cela a été vraiment un grand plaisir pour nous. Et félicitations aux organisateurs et surtout à l'ADPME qui a pensé à nous et qui a voulu nous aider et nous accompagner dans cette réalisation-là. Les 50 participants sont répartis chacun avec une attestation, mais aussi avec l'engagement de mettre en pratique les notions apprises pour un environnement des affaires plus prospère au Bénin. Les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Penesoulou à Lédio-Séméré dans les communes de Bassila et Waké sont désormais lancés. C'était une promesse du président Patrice Talon. La bretelle à Lédio à Karadé, frontière Togo, sera également prise en compte. Les travaux sont officiellement lancés par le ministre d'État Abdoulaye Birtiané. Nous allons suivre. Autrefois source de plusieurs accidents de circulation suivis de pertes en vie humaine, la route Penesoulou à Lédio-Séméré dans la Donga va bientôt changer de visage pour soulager les peines des populations. Avant, pour pratiquer la voie, c'est difficile. La voie n'est pas praticable. Il y a des trous partout. Les ponts aussi n'est pas bien positionnés. Maintenant, on est fiers pour notre bitumage là. Donc, on a de la route. Merci beaucoup pour Talon. On est fiers de lui. Les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Penesoulou à Lédio-Séméré, 44 km, et la bretelle à Lédio à Karadé, frontière Togo, 6 km, ont démarré depuis le 16 septembre dernier et vont durer 24 mois. Les réalisations comprennent notamment la construction de la chaussée, des ouvrages d'assainissement, les travaux de signalisation, les aménagements connexes et bien d'autres. En tant que première autorité de la commune de Bassila, nous mesurons toute la portée de cette réalisation pour la transformation structurelle de notre économie locale et pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. La cérémonie de ce jour consacrant le lancement de la réalisation du bitumage de la route de la paix reste pour nous un moment de délivrance. La population de Waké en général et de Séméré particulièrement saura s'en souvenir en temps opportun. Pour un coût global de près de 52 milliards de francs CFA, la réalisation de la route Penesoulou à Lédio-Séméré et la bretelle à Lédio à Karadé va conjuguer au passé les mauvais souvenirs longtemps gravés. Il a dit, je vais la faire. Si je ne la fais pas, alors c'est votre fils qui sera responsable. Si je la fais, il en sera responsable. Parce que là où on va trouver de l'argent, il sait. Je voudrais, au premier plan, féliciter le président Abdoulaye Diop Tchané
et dire merci au président Patrice Talon. Le développement, c'est l'affaire de tous. Ça n'a pas de couleur. J'étais là quand il est venu. Et je savais que ça va peut-être prendre du temps, mais qu'au dernier moment, ça va se faire. Je crois que c'est maintenant, plus que jamais, que c'est en train de se réaliser. Et je suis fier, en tant que fils de Semerin, du Bénin, de notre président. La route de la paix, c'est aussi le pont de Kara, où des dizaines d'individus habitants Semerin ou Alejo ont perdu la vie. À chaque saison de pluie, c'est avec anxiété que les populations se demandent comment ça va se terminer. Eh bien, à partir de maintenant, parce que le démarrage de la route facilite déjà un certain nombre de choses, à partir de maintenant, il n'y aura plus cette anxiété, il n'y aura plus de morts sur la route de la paix. QGMI, c'est l'entreprise en charge des travaux. Le groupement du Bureau d'études ingénieurs conseils est mandaté par le ministère en charge du cadre de vie à travers la CIRAT pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Loko, a accordé ce lundi une audience au rapporteur général du Haut Conseil de la Communication de la République centrafricaine. Occasion pour ce dernier d'apprendre de l'expérience de la HAC dans le cadre des élections locales. Il s'est confié à la presse à sa sortie d'audience. L'objet de la mission, la visite, c'est de venir en compagnie du président du Haut Conseil de la Communication de la République centrafricaine pour rencontrer nos homologues de la HAC afin de nous imprégner de l'expérience de la HAC. Parce que en République centrafricaine, nous avons au mois de juillet de l'année prochaine des élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales. Pour ce qui concerne les élections municipales, nous ne les avons pas organisées depuis environ une quarantaine d'années. De sorte que l'instance de régulation des médias de la République centrafricaine n'a jamais eu l'occasion de gérer des élections locales. Or, ici au Bénin, c'est un exercice auquel l'instance de régulation est assez familiarisé, on va dire. Donc c'est important pour nous de venir échanger avec nos homologues du Bénin sur leur expérience en matière de gestion des élections locales. Donc c'est l'objet de la mission et maintenant nous avons effectivement été reçus par le président de la HAC à l'instant. On pourrait dire que pour l'instant, avec le président de l'AX, a été une rencontre à caractère protocolaire pour d'abord le saluer, lui présenter nos civilités et ensuite on va se mettre au travail et on reviendra vers lui naturellement pour faire un retour du travail qu'on aura effectué. Des sessions d'animation menées par les pères éducateurs recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits, exécuté par Plan International Bénin dans l'ère d'influence d'Adjoum. L'activité pour l'étape d'Azorissé à Béokouta a connu la présence de la chargée de programme de l'Union européenne. La représentante du bailleur était en visite de suivi de ces échanges, de ces séances d'échange ainsi que le coaching fait par les partenaires techniques en vue d'assurer la qualité des interventions. Nous allons suivre. Une séance sur les cartes d'éducation complète à la sexualité. L'activité est organisée au profit des habitants d'Azoulissé à Béokouta dans la commune d'Adjoum, notamment les jeunes et adolescents de la localité. L'initiative des échanges s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits, exécuté dans la zone par Plan International Bénin et son partenaire l'ONG FADEC. Chaque individu
qui comprend ses droits devient un acteur clé de sa propre santé et de celle de sa communauté. C'est pourquoi nous avons accueilli avec enthousiasme les initiatives comme Ma santé, mes droits. Les activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet visent non seulement à sensibiliser les communautés sur leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive, mais également à renforcer l'accès aux services de santé essentiels. La particularité de cette session d'animation réside dans le fait qu'elle ait connu la présence de la chargée de programme de l'Union européenne. Plus de maladies, plus de grossesses non désirées, que vous alliez à l'école, que vous ayez le diplôme et que vous réussissiez dans la vie. Voilà. Et c'est important pour nous de financer des projets comme Ma santé, mes droits, parce que c'est important pour vous. C'est important pour vous, c'est important pour nous. Sur le terrain, la représentante du bailleur est en visite de suivi des sessions d'animation menées par les pairs éducateurs ainsi que le coaching fait par les partenaires techniques pour assurer la qualité. L'idéal poursuivi en effectuant cette descente est de s'imprégner de l'évolution des activités, mais surtout constater l'impact des interventions sur les groupes cibles. Grâce à votre appui, de nombreuses familles des communes de Pobert, Adjaweré, Ketou, Adjong, Bonou et Dango bénéficient désormais de services de connaissances essentielles en éducation à la santé sexuelle. Je vois les parents, je vois vos intérêts. C'est pour vous dire que vous avez un très grand rôle à jouer, à encourager ces jeunes. On peut bien dire qu'on est en train de donner des mauvaises leçons aux jeunes, mais au contraire, on est en train de protéger ces jeunes. Parce que pour moi, c'est une opportunité d'avoir des discussions ouvertes, franche avec nos enfants pour les vraiment montrer la bonne chemin. Co-financé par l'Union européenne et Plan Danemark, le projet vise une approche d'éducation complète à la sexualité liée au droit à la santé sexuelle et reproductive avec les adolescents au sud-est du Bénin. Les interventions couvrent 6 communes dans l'Ouémé et le Plateau. Autre volet de l'actualité nationale, l'UNSTIM et l'École nationale supérieure des travaux publics ont organisé la semaine écoulée les Journées métiers des travaux publics édition 2024. L'événement a été pour les organisateurs une occasion de valorisation des savoirs endogènes. Voici le compte rendu de Ymet Hélène Amosso. C'est l'apothéose de cette... L'événement cette année est couplé avec la deuxième édition des Journées scientifiques de l'École nationale supérieure des travaux publics, UNSTP, une des entités de l'UNSTIM, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les Journées métiers des travaux publics de l'UNSTP d'Abomey offrent pour cette édition 2024 aux chercheurs, praticiens, étudiants et autres partenaires engagés l'opportunité de valoriser les savoirs endogènes tout en les intégrant aux connaissances contemporaines. Les travaux toute cette semaine s'inscrivent dans cette démarche de complémentarité et d'échange, plaçant nos discussions sous le signe de l'équilibre entre tradition et modernité. Ils ont également pour vocation de hisser nos étudiants à des niveaux de compétences et de compétitivité comparables à ceux des universités du monde entier. C'est aussi l'occasion pour chacun de renforcer son réseau de connaissances et de créer des liens qui pourraient s'avérer précieux dans nos futures carrières. Avec pour objectif de faire connaître le talent des étudiants, mais aussi leur permettre d'apprendre, découvrir et puis s'inspirer afin de bâtir un avenir dans le domaine des travaux publics, le thème principal de ces retrouvailles est intitulé « Bâti avec l'intelligence artificielle vers des chantiers et villes intelligents et durables ». À l'occasion, des experts et de nombreux professionnels ont été invités à partager leurs expériences en vue d'édifier les apprenants. L'intelligence artificielle ne doit pas oublier l'aspect endogène de notre culture. Je suis très sûr que les échanges vont permettre d'avoir des solutions ou bien des pistes de solutions qui pourront aider efficacement à la prise de décision. Nous vivons une période où les défis environnementaux et climatiques imposent une réflexion approfondie et des actions concrètes. Il ne suffit plus de construire. Il faut construire de manière responsable en tenant compte des écosystèmes
de nos ressources limitées et des savoir-faire traditionnels qui ont permis à nos communautés de vivre en harmonie avec leur environnement. L'organisation présente journée des métiers de l'UNSTP témoigne de notre volonté de lancer les métiers de la construction, de l'ingénierie et de l'humanisme au cœur de la transformation numérique qui redéfinit progressivement le monde du travail. Une semaine meublée de diverses activités, dont des panels de discussion ainsi que des moments de réflexion. Les manifestations coïncident également avec la célébration des 15 ans d'anniversaire de l'UNSTP. L'école est née des cendres de l'ESTBR, l'école des sciences techniques du bâtiment et de la route de l'ex-université polytechnique d'Abomey. La semaine écoulée était dédiée à la fête dans l'arrondissement d'Ekpe, commune de Samekpoji. Les fils et filles de cette localité se sont retrouvés pour leur fête identitaire dénommée Ekpehui. Des moments de consolidation des liens, de partage, mais aussi de contributions financières pour la construction de modules de classe au profit du CEG 1 d'Ekpe. Reportage. C'est l'apothéose de cette troisième édition de Ekpehui. Amis, sympathisants, fils et filles de l'arrondissement de Ekpe, dans la joie, ont participé à cette fête identitaire initiée pour consolider les liens entre les ressortissants de cette localité. Porté sur les fonds baptismaux par notre volonté commune il y a 2 ans, Ekpe fait son petit bonhomme de chemin. Si elle doit durer dans le temps et s'imposer dans le concert des fêtes identitaires de notre pays, cela dépend de la volonté de chacun et de nous, car elle est notre cause commune. Au-delà du resserrement des liens et du caractère festif, Ekpehui s'est donné comme mission de contribuer, à travers les retombées financières de la fête, à la réhabilitation et à la construction d'infrastructures socio-communautaires. Et c'est dans ce cadre que le CG1 d'Ekpe reçoit l'attention de l'association depuis la première édition. Nous avons réalisé un bâtiment en Ré, R plus 2. Il est vrai, compte tenu des moyens dont on disposait, on n'a pas pu finir. Nous croyons que lorsqu'on aura fini la troisième édition, on aura plus de moyens pour faire même le deuxième étage fini, achevé, électrifié, meublé. Et nous allons mettre cela à la disposition de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs qui en ont besoin. Parce que le collège d'enseignement général est... Ekpe en a besoin. Je demande aussi au gouvernement de notre République à accompagner notre collège. C'est ce que nous recherchons. Sur 98 groupes pédagogiques ouverts, il n'y a que 54 classes disponibles. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons accompagner. Nous devons aider. Voilà. Pour les participants, cette troisième édition de Ekpehui a été une parfaite réussite. Dès lors que tous les enfants de Samekpoji ont commencé par tisser la toile de l'unité, de l'union pour une fraternité agissante, on peut vivre à une telle fête. La cérémonie est belle. Je suis venu les encourager à consolider leur union. Je suis venu leur dire de continuer. Et tout ce qui a une portée historique est une valeur. En entrant ici tout à l'heure, j'ai vu ce qu'ils ont entamé au niveau du collège ici, à savoir la construction des salles de classe. Et donc je suis venu encourager cela, je suis venu leur dire de continuer dans le sens de ce qu'ils ont commencé. Dans le cercle des fêtes identitaires, Ekpehui fait son petit bonhomme de chemin et rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 4e édition. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.